renverser ce match? Faire preuve de caractère, tout simplement. Régler quelques choses tactiques qui n'allaient pas en première. On laissait trop d'espace et on était trop écartés. Nos lignes étaient trop écartées et du coup on se faisait contrer et on a réglé ça en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas eu beaucoup de situations. Nous on a su pousser et retourner le match. Il a fallu aussi laisser la frustration au vestiaire. On t'avait un peu énervé sur le deuxième but Guingampé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a main pour toi? Non, je pensais qu'il y avait main. Pour moi, il n'y a pas main. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Après c'est un fait de jeu. Donc non, pas plus que ça. Du coup, sur la fin, l'ambiance était encore exceptionnelle. Ouais, c'est top, ils sont avec nous. Je pense aussi que c'est ce qui nous permet aussi d'aller chercher quand on est dans des moments difficiles, de retourner les matchs. Et grâce à eux, on fait des efforts. C'est le 12e homme, quoi. Et donc, ça nous permet de faire plus d'efforts. Et aujourd'hui, ils ont été top. Et on leur a bien rendu sur le terrain. Donc, c'est tant mieux. Ça fait 4 buts pour toi cette saison. Plus, ça va être 2 passes décisives parce que le corner compte pas. C'est plutôt satisfait jusqu'à présent. Ouais, satisfait, ouais. Satisfait surtout de ma deuxième partie de saison. Dans un rôle où j'avais pas l'habitude de jouer depuis que je suis dans le monde pro. Maintenant, je me sens bien, j'ai mes repères, j'ai aussi des repères aussi avec les coéquipiers. Et non, c'est beaucoup mieux. Je suis content de ma deuxième partie de saison. Ça donne envie de rester. Ça donne envie de rester, mais ouais, si ça tient qu'à moi, oui. Est-ce qu'il fallait se rassurer après ces deux matchs où vous n'avez pas perdu confiance malgré la défaite et le match nul à Rodez? Non, Rodez, c'était un match particulier, dans un contexte particulier. À l'extérieur, c'est toujours dur contre des équipes qui défendent et qui sont bas. Non, on n'a pas douté parce que on n'a pas jeté tout ce qu'on a fait avant et on l'a montré ce soir. Vous êtes 10e là, ce soir. L'objectif, c'est de continuer encore, de l'appuyer un peu. De prendre le plus de points possible, finir le plus haut possible. Hein, c'est ce qu'on va essayer de faire et prendre le plus de points. Hein. Le match à Laval, c'est une équipe aussi qui joue pour se sauver. Mmh. Là, vous le voyez comment? Ça va être compliqué là aussi? Ouais, c'est sûr, c'est toujours compliqué. Nous, on s'est libéré de ça. Donc, eux, ils luttent toujours. Après, c'est pas notre souci. Nous, on y va pour gagner. Et on fera tout pour le faire. Le coach a souligné aussi la part des entrants. Il y a encore Dylan qui vient une bonne rentrée ce soir après celle contre Rodez. Au quotidien, voilà, les joueurs qui jouent un petit peu moins, vous essayez, enfin, vous leur parlez, ça passe par quoi, des mots? De toute façon, on est un bon groupe, avec que ce soit ceux qui jouent beaucoup ou comme les remplaçants qui sont rentrés ce soir. Dylan, ça fait 2 fois qu'il rentre bien et qu'il est décisif. Donc, ça fait du bien d'avoir des mecs qui sortent du banc et qui sont avec nous. Ça montre un bon état d'esprit. Ouais.